c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette accro quotidienne du 25 mars 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi à partir de 15h pour parler un petit peu news, high-tech, films, séries télé comme toujours. Alors je m'excuse pour aujourd'hui, j'ai pas d'éclairage parce que le Mac n'éclaire pas assez du tout. Ça mériterait un petit éclairage en plus. Et donc là je suis avec le Mac, donc je suis avec OBS, le Mac, donc je vais pouvoir faire le partage d'écran, ça c'est bon. J'ai mon petit micro, mon Apogee mic machin qui devrait être pas dégueulasse. Tu vois, non, le son il est bien là, c'est pas mal. C'est bien, non, c'est correct, voilà. Donc du coup, le son devrait être pas mal, on est branché et tout. Je m'excuse si la qualité technique est peut-être pas aussi bien que d'habitude, mais dites-vous que demain ça pourrait être pire. Bon, allez, comme toujours, on remercie nos tipeurs. Alors, j'ai pas mis de texte tout parce que je découvre l'interface et je suis un peu à la bourre. Et après, je voulais partir un peu parce que je suis quand même encore un peu en mode vacances. Donc, on remercie évidemment Naruzaki pour son Tipeee d'hier et Joey Sanampao, voilà, pour également son Tipeee d'hier. Encore une fois, merci à vous. C'est grâce à vous que l'aventure fonctionne. On remerciera également tous ceux qui ont participé un petit peu à notre super chat d'hier. C'était fou furieux. Je vous invite quand même à aller voir le live. C'était quand même... C'était bien. Non, c'était pas mal. Alors, attends. Est-ce que je vais arriver à trouver mes fenêtres? Ici, je fais comme ça. Non, scène 1. Tac! Voilà. Donc, le live d'hier a fait... Alors, le live de samedi... Je rappelle, il y a 7 jours sur 7, les vidéos. Hein. Donc, lundi, vendredi, à quotidienne. Samedi, spécial live. Et dimanche, spécial live, sur le sujet du jour. Samedi, c'était faire un road trip en Thaïlande en scooter. Pas mal. On a dépassé les 1000 vues tranquille. Et hier, trouver une copine en Thaïlande. Pas si facile que ça. Pareil, on est à 1100 vues déjà ce matin, à savoir qu'il faut le temps que YouTube mette un peu les comptes à jour et que certains aient le temps de regarder la vidéo. On a surperformé hier pendant cette émission. C'est un réel plaisir. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver ma petite vie de vacancier actuellement sur Instagram. Mon pseudo, c'est Greg Le Geek. Alors, j'ai pas mis de fenêtre, ça va. Si je mets ça, est-ce qu'il va le trouver? Instagrams, Greg Le Geek. Pas mal. Je fais une capture d'écran pour de vrai, hein, t'as vu? Instagram, Greg Le Geek, donc ça vous permet de voir le savon que j'ai acheté hier, la soirée endiablée que j'ai fait hier, on en parlera dans les feux du marabout, mon petit déjeuner du matin et le temple que j'ai vu aujourd'hui. Voilà. Parce que l'objectif, c'est quand même d'aller voir un petit peu un temple et un truc joli tous les jours. Les feux du marabout, donc du coup, live, on a surperformé avec le live hier, notamment au niveau des super chats, bien évidemment, au niveau de la durée, au niveau de la qualité, au niveau de vos réactions et au niveau de mes commentaires. Tout était incroyable et j'ai vraiment passé un très très bon moment et j'espère que vous aussi également. Il faut absolument que je trouve un truc, un éclairage, parce que là, c'est vraiment minable. Ce week-end, je vous rappelle, c'est les élections à Pattaya. Donc, hier soir, je vous avais promis que j'allais aller. Alors, je suis allé manger un bout de truc, là, dans un bar. Je vous ai fait une vidéo et des photos. C'était pas mal. Après, le truc, le problème, c'est que j'ai oublié que plus tu montes vers le nord, plus c'est épicé. J'ai oublié de demander my pet. Et que du coup, en fait, le porc, ils l'ont tué à coups de piment et qu'ils ont failli me tuer avec, hein. Voilà. Bon, bah, c'était bien, il n'y avait personne. Après, il y a un peu des filles qui sont arrivées dans les bars d'à côté et tout, mais voilà. C'était vraiment en mode d'élection. Les filles étaient parties dans leur campagne pour voter, n'étaient pas là. Et les bars étaient tous à moitié fermés. Je suis sorti après, j'ai trouvé un espèce de bar. J'ai bu un soda. Voilà. Il y avait une fille, un ladyboy et un gay. Voilà. Il y avait un peu de, il y avait un peu de quoi. Voilà. Après, il y avait maman qui sont arrivées. Bon, c'était pas exceptionnel. J'ai bu un coup. L'intérêt, c'est que vous avez vu ce qu'en face, il y avait un 7-Eleven. Voilà. Donc, je suis allé acheter à boucher. Je suis revenu à la maison et j'ai failli arrêter Bubble Bee, mais non. Le savon que j'achète au 7-Eleven, puisque ma vie vous intéresse, un truc de dingue. Le petit déjeuner, exactement aussi, un donut au chocolat. Et également le temple que j'ai vu ce matin, dont vous trouverez toutes les photos sur Greg Le Geek. N'hésitez pas à aller me suivre. Déjà, ça fait plaisir. Et ensuite, ça permettra pour vous de voir un peu ce que je fais au jour le jour. Ce soir, je vais à Calassine. Ce n'est pas le lieu de Calessie, mais voilà. Donc, je vais là-bas. Je rejoins un Français qui est là-bas, donc du coup, je le rejoins qui est là-bas, et demain, on va aller voir, il y a un parc avec des dinosaures et tout, il m'a dit, c'est surnaturel, voilà, on va y aller, on verra ça demain, et à mon avis, je risque de revenir demain soir, il faut une heure de route, je crois, à peu près, une heure dix en scooter, et 80 bornes, donc, 80 bornes, je roule à 100 à l'heure, il va me falloir une heure et demie, pas déconner, après avec les feux et tout, voilà, donc comme ça, et je reviendrai demain, parce que comme j'ai pris l'hôtel une semaine, c'est con d'aller payer un hôtel là-bas, mais en même temps, il y a la piscine et tout, donc je fais la quotidienne, je le plode, et après je me casse là-bas, parce qu'il y a la piscine et tout, donc je pourrais ou pouvoir aller à la piscine ce soir, manger là-bas, faire le parc demain, et revenir demain soir, et vous aurez la quotidienne en live, bien évidemment, je sais que beaucoup ça les intéresse pas, mais en même temps, le but c'est de raconter un petit peu ma vie. Je rappelle, ce mois-ci, pour chaque Tipeee, ou pour chaque super chat, vous avez le droit à un ticket de tombola. Ce mois-ci, il y a un Huawei Nova 4, il y a les Huawei FreeBuds à gagner. Voilà, il y aura 4 gagnants, c'est quand même déjà pas mal. Et le mois prochain, comme c'est bien parti, on va certainement arriver aux 1500 cafés. On a dépassé déjà les 1000 tickets.
Alors brut, hein, moins les frais YouTube, machin et tout, on s'en fout. Mais on a dépassé allègrement les 1000 tickets, ce qui est quand même juste exceptionnel. Donc 4 gagnants, 1000 tickets, t'as une chance sur 250 de repartir avec un truc plutôt sympathique. Notre panier est quand même plutôt garni. Voilà. Bon, je voulais vous parler de quoi aujourd'hui? Tiens, je voulais vous parler pour le mois prochain, le Redmi Note 7. Donc du coup, en version globale, est disponible depuis à partir du 27 mars. Ah ben ça va, c'est demain, après-demain. C'est après-demain. Donc le Redmi Note 7 sera bien disponible en Thaïlande, donc du coup en version globale, avec les services Google et toutes les langues dedans, à partir du 27 mars. Voilà. Donc on pourrait éventuellement le commander et que ça soit le téléphone à gagner le mois prochain. Ça va me dire, c'est nul, il est pas cher. Ben ouais, mais il est pas cher, c'est comme un truc à 250 balles. Non, 5000 balles. 5000. C'est bizarre, il peut pas être aussi pas cher. 5000, Mimic 3, Pocophone. Tu vois, si je clique dessus, ça passe quoi? C'est cher. 3 plus 32, 5000 bahts. 5000 bahts, ça fait 150 balles. Hein. 3 plus. Alors, Redmi Note 7. 3 plus 32, 5000. 4 plus 64, 6000. Oui, mais oui, en même temps, oui, 4, 5000. Putain, 5000 bahts, imagine, 5000 bahts, ça fait 100. 150 balles. Ah oui, c'est ça, c'est les prix. C'est le Redmi Note 7 Pro qui est plus cher. Le 4 plus 64 fait 6500, donc ça doit faire 100, un peu moins de 200 balles. Et on peut avoir le 4 plus 128 qui va être en promo au même prix. Donc du coup, je pourrais commander éventuellement le 4 plus 128, LASA exclusif, 4 plus 128. 6500 balles, c'est pas mal, hein. Ça fait 100, ouais, 180 balles. 180 balles et tout, voilà. Ça pourrait être le lot, à savoir que le mois prochain, il y aura celui-là, dans la tombola à gagner, et une carte graphique 1080 Ti. C'est-à-dire que si le téléphone t'en bat les couilles, tu peux prendre la 1080 par ordre d'arrivée. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Éventuellement, je pourrais le précommander. Et donc, du coup, je pourrais le précommander. Et surtout, bien évidemment, le précommander. On parle un petit peu, tiens, du Samsung A90 qui se dévoile. On m'a envoyé une news déjà en perso. Alors, il pourrait être vraiment plein écran avec une caméra pop-up, ce qui serait assez surnaturel de le voir arriver comme ça, en ces termes et en ces conditions. Mais bon, pourquoi pas, hein. Moi, je want to believe. Pourquoi pas, ça pourrait être un téléphone qui soit assez surnaturel, ce qu'on voit un peu que le film protecteur, des choses comme ça et tout. Voilà, il se dévoile de plus en plus. On en saura un peu plus bientôt, mais la gamme Samsung s'étoffe pour le pire et... On va dire pour le meilleur. Demain, vous aurez bien. Non, ce soir, vous aurez bien évidemment un event Apple. Alors, on n'en sait pas grand-chose, hein, si ce n'est que toutes les nouveaux jeux, les nouveautés de mise à jour de leur truc de merde, là, est tout arrivé la semaine dernière. Donc, ça pourrait être bien évidemment que du software, hein, non pas de hardware. Avoir un peu, peut-être une nouvelle génération de AirPods, on ne sait pas trop, vous en saurez un peu plus demain. N'hésitez pas à suivre ça sur 01net, on en parlera demain des nouveautés incroyables que Apple nous a sorties, mais s'ils nous sortent, ils vont. Ah, je ne sais pas. Je sais pas ce qu'ils vont, mais bon, pour l'instant, ça. J'ai fait la mise à jour du roi, ouais. Ça sent un peu la merde hein, chez Apple, les mises à jour, les machins, les trucs. Je veux dire, les mecs sont en train de se faire dépasser, exploser, et voilà quoi. Je veux dire, Steve s'en retournerait dans sa tombe, bien évidemment. L'event Apple, c'est bon. Le Huawei, tiens, le Huawei P30 Lite, donc qui va arriver bientôt, bien évidemment, pourrait en fait simplement être le Nova 4e, voilà, qui est déjà disponible en Asie en plus. Enfin, qui est déjà disponible, qui est déjà un petit peu annoncé partout. Donc ce P30 pourrait s'appeler Huawei Nova 4e, ce qui foutrait bien la merde, hein, parce que c'est bien compliqué. Alors nous, on n'aurait peut-être pas le P30 en Asie, mais on aurait le 4e. Avoir un peu en fonction des trucs, mais je trouve que c'est un petit peu bidon. Enfin bon, après, c'est leur truc, c'est leur délire à eux, il n'y a pas de souci. On continue un petit peu en mode express avec le geek.tv. Alors aujourd'hui, le geek.tv, il va y avoir 4 nouvelles vidéos de 4 youtubeurs différents. C'est pas 4 fois le même. Attends, je suis pas là, laissez-moi. Oui, mais attends, tiens, attends, je suis pas. Je réponds, hein, parce que. Je réponds, hein, je fais mon truc, hein, parce qu'après. Oui, mais. Putain! Ok, bon voilà. Donc, je perds le fil. Mais oui, mais j'y arrive, elle m'écrit. Voilà, you busy. C'est ça. Non, mais un peu là, de Dieu. Donc, pas mal de nouvelles vidéos. Alors là, on a déjà Geek Tech, machin. Il y aura pas mal de nouvelles vidéos. 4 qui vont être espacées toute la journée jusqu'à. Attends, j'en ai une à 7, 9, 11 et 13. Donc, vous, quand vous regardez cette vidéo à 15h, les vidéos seront déjà sur le geek.tv. Vous pourrez aller découvrir un petit peu tous ces nouvelles vidéos d'autres youtubeurs que de moi-même. Par exemple. Nanana, le geek.tv, c'est bon. Donc, la vidéo du jour aujourd'hui, la vidéo du jour d'aujourd'hui,
bien évidemment. Si je m'en remets là, il se passe quoi? Tac! Ouais, trop bien. La vidéo du jour d'aujourd'hui. Oui, parce que j'ai le droit de parler comme un bougnat, c'est mon truc à moi. C'était bien évidemment la vidéo sponsorisée avec Recovery Eat. Et j'étais content parce que bon, la vidéo, ça ne s'est pas passé comme je voulais. Les fichiers n'étaient pas bons, il y a pas mal qui étaient un peu abîmés et tout. Donc j'ai bricolé comme j'ai pu, je l'ai envoyé à Wondershare, il m'a répondu, elle est parfaite. La vidéo est parfaite. Un chinois qui parle français en plus. La vidéo est parfaite, le mec était super content et tout, donc ça m'a fait plaisir. La vidéo était plutôt intéressante, même si elle n'était pas exceptionnelle. C'était pas mal, voilà. Donc vidéo sponsorisée, pas mal. La GMX3, il y a peu de chances qu'il soit cette semaine. Cette semaine, ça va certainement être ça. Alors, c'est un chargeur par induction avec refroidissement. Il y a un ventilo dedans, ça tourne et c'est glacé sur le dessus et tout. C'est complètement exceptionnel. C'est un projet Indiegogo qu'ils m'ont envoyé. Il faut que je fasse la vidéo parce qu'ils ont payé en plus. Donc, je vais essayer de. Aujourd'hui, je suis pas là. Demain, je vais voir les dinosaures. Donc, je la ferai peut-être mercredi. Elle risque de tomber jeudi ou vendredi. Voilà, fin de semaine, c'est bien. C'est, tu mets dessus, il y a le ventilo, ça refroidit, charge rapide et tout. C'est plutôt intéressant, voilà, pour des chargeurs par induction comme ça, j'en ai jamais vu. Et en fait, c'est plutôt pas mal. Je suis parti d'un truc, je n'avais même pas ouvert, je ne voulais même pas le faire. En fait, j'ai essayé, en fait, c'est bien et tout, voilà. Donc, vous découvrirez ça prochainement. Les Huawei FreeBuds arriveront après le AGMX3, vu que j'ai plus que le montage à faire. Et enfin, les TWS T88, alors là, pareil, là, il n'y a carrément aucune chance que vous les ayez avant que je revienne à Pattaya. Vu comme c'est parti, je suis parti avec rien, j'ai encore du retard. Il ne va pas y arriver. Bon, les films et séries télé, bien évidemment, il faut absolument que je vous parle de ça. Voilà, c'est un peu la news que j'ai vue, c'est Dora and the Lost City of Gold. Alors je me suis dit, ah tiens, Dora, c'est rigolo, comme Dora l'exploratrice. Eh ben oui. À partir du moment où tu vois son sac à dos et que tu vois Shipper dans le sac à dos, tu te dis, ah ouais, il y a vraiment un film sur Dora l'exploratrice. Alors, elle est un petit peu plus bonne là quand même hein, que dans les dessins animés, mais elle a la même coupe de cheveux, le même t-shirt et le même short, à part qu'elle a des gros nichons, qui ne sont peut-être pas des vrais gros nichons, parce que c'est peut-être juste des effets spéciaux, mais voilà, ça a l'air con comme ses pieds, ça a l'air d'être un peu la version Indiana, enfin pas Indiana Jones, mais Tomb Raider, mes versions Dora l'exploratrice avec un peu d'humour et tout, c'est totalement surnaturel, la meuf qui vient de la jungle et qui va directement dans la ville et qui découvre un petit peu tout, c'est complètement, je n'y croyais pas moi-même, et pourtant, ce film existe bien, voilà, je suis content de t'apprendre ça, ce film existe bien pour de vrai. De quoi je voulais parler d'autre? Non, j'ai téléchargé, bien évidemment, sur TF1 Torrent, Bumblebee, ah c'est Bumblebee, c'est vrai que j'ai mis Bumblebee hier, Bumblebee 2018 version True French. Alors j'ai même pas regardé si la qualité était bien, vu que j'ai tellement pas envie de le regarder, je me suis dit si vraiment hier il n'y avait rien, et en fait j'ai regardé je crois des vidéos YouTube, puis après j'ai chatté, puis après on s'est appelé, machin, tout, donc du coup, j'ai passé la soirée, machin, il est 11h, je dis allez, sors d'aller à la douche, hop, et un suppôt et au lit. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé, film et série du week-end, j'attends bien évidemment Beyond saison 4 épisode 2, qui devrait sortir cette semaine, qui est juste ma série préférée du moment, qui me fait extrêmement plaisir. Et voilà, ainsi se termine cette accrotidienne du lundi, une accrotidienne qui aurait été riche en high-tech, riche en films, parce que tu savais pas qu'il y avait un film, ça allait être Dora and the Lost City of Gold, là tu t'es dit quand même, là c'est incroyable, là c'est quand même de la news, de la mort qui tue. Tout qui tue, voilà, on est bien d'accord. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé le générique du début en mode rétro que j'ai retrouvé dans le Mac parce que j'ai pas retrouvé le jingle machin et tout. Voilà, demain on se retrouve pour une micro-tidienne de 15 minutes plus en live à partir de 15h20, 15h30. Je sais pas où je serai, je pense que je serai revenu à Konken par exemple. En attendant, profitez un peu de la vie, prenez soin de vous. N'oubliez pas votre petite prière ce soir, forcément que Dieu bénisse. Petite prière pour les gens que vous aimez, petite prière pour inclure moi dedans afin d'amener encore plus d'ondes positives. Ça fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous demain. Profitez bien. Merci de passer voir. Ça m'a fait plaisir. À demain.